Salut tout le monde, c'est Crash Glitcher. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de glitch sur Black Ops 2 en mode zombie. Alors ça va être un ledge sur la map des Rays. Alors pour commencer il vous faut un allié car il vous faudra deux propulseurs. Alors pour commencer vous allez lancer votre partie sur des Rays et vous allez construire le propulseur. Alors une fois ça fini vous allez vous rendre à la PDW et vous allez prendre déjà le premier propulseur que vous avez en main et vous allez le placer en face du rocher. Alors après vous allez demander à votre allié qui vous passe le deuxième propulseur et vous allez prendre le premier propulseur en direction du rocher. Alors normalement si tout se passe bien il va vous propulser sur le rocher et une fois sur le rocher vous allez prendre le deuxième propulseur et vous allez le placer en face de l'affiche. Alors une fois qu'il est en face de l'affiche vous allez prendre le propulseur et normalement il vous propulse sur l'affiche. Alors une fois ici vous serez totalement invincible et ça créera une énorme barrière anti-zombie juste derrière le mur. Alors pour réaliser le plus de manches possible je vous conseille d'avoir un propulseur et même d'être à 4 car vous placez juste le deuxième propulseur en haut des escaliers pour qu'il propulse les zombies pour pas qu'ils vous tuent parce qu'il y aura les zombies de la fenêtre dans des escaliers et les zombies de la fenêtre en bas des escaliers qui pourront venir sur vous donc je vous conseille de prendre les clés morts et de les placer juste derrière et pareil pour les propulseurs. Alors là vous pouvez réaliser le plus de manches possible mais vous pouvez pas réaliser des manches à l'infini car avec le sleeve, avec l'arme spéciale pardon vous pouvez pas faire une manche entière car il y a trop de spawn, il y aura pas assez de zombies qui viendront sur le liquide pour qu'ils meurent tous. Bon bah j'espère que cette vidéo de glitch vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Oh,